Bah là, Marion, elle pisse debout. Top la classe. Si elle a l'air un peu technique, mais moi, j'en rêve un peu, quoi, quand même. Et elle fait comment? Je sais pas, elle va nous dire. Et puis après, si c'est testé et approuvé, bah, on fera tout pareil. Est-ce que ça va tenir, ce merdier, là? Ça va ou bien? Tu vas me le prêter, je vais essayer. Alors c'est une copine qui m'en a parlé. C'est un petit zizi en plastique. Alors c'est un petit peu sale, pour ça il faut le ranger dans un ziploc. Puis il est rose parce que c'est mon petit truc de fille. C'est un peu sale. Un zizi en plastique. Et c'est vachement pratique, on a juste besoin d'ouvrir la braguette, on glisse ça et puis on fait pipi et puis on ferme la braguette. Voilà. C'est vite d'enlever le baudrier, la culotte, d'avoir les fesses à l'air. Parce que je l'ai les fesses parfois. Enfin voilà, c'est vachement bien. Tiens, bah prête-le moi. 4,50€. Je vais tester. 4,50€, si ouais, tu payes. Ça se prête pas trop quand même. Bah, j'avais un peu peur que ça visse pas bien et que ça coule le long des jambes, mais ça marche super bien. On peut pas trop se rater. C'est génial. Et ça vient d'où alors cet appareil? Je pense que ça marche bien aussi dans la tente la nuit pour faire pipi dans une bouteille. Je pense que c'est révolutionnaire. Plutôt que dans les quoi? Dans les sachets de lyophilisés trichénie. Ouais. Plus classe. Et t'as dit quoi? C'est quoi ton équipe? Et ça vient d'où ça, ce produit? Ça vient, c'est dans le rayon camping au vieux camper. Ah mais c'est fabriqué où? 4,50€, ça vient d'où? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est la marque. Je pense que c'est... En fait, ça vient des hôpitaux. Oui, bah oui, c'est ça. Ça vient des hôpitaux pour les gens qui sont malades et qui sont blessés et qui peuvent pas se lever pour pisser. Donc tout simplement, ils ont ça et on n'a pas pensé, mais on aurait pu s'en servir plus tôt. C'est beau. Première chardonnay? Ouais, première chardonnay. Cool. Une première chardonnay.